tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Eh bien écoutez, j'espère que ce week-end de Noël s'est bien passé ainsi que votre réveillon et que vous avez été comblés de cadeaux, quels qu'ils soient. En tout cas, j'espère pour vous que ça s'est très bien passé. Nous sommes le lundi 26 décembre, c'est la Saint-Étienne, donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Étiennes qui nous écoutent et je vais vous présenter les deux jeux que je vais utiliser tout au long de cette semaine. Donc pour le tirage complet, j'ai choisi l'oracle des miroirs et pour la petite carte conseil, j'ai choisi l'oracle des sept énergies. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que nous réserve cette journée du 26 décembre. Alors, voyons voir ça. Alors, quelles sont les énergies pour ce 26 décembre? Quelles sont les énergies pour ce 26 décembre? Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour ce 26 décembre? Alors, quelles sont les énergies pour ce 26 décembre? Ah, bah écoutez, il y en a deux, je vais prendre les deux. Elle est venue, je la prends comme ça. Et donc une petite carte conseil. C'est parfait. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'argent. Nous avons l'étranger. Nous avons l'amour, moi je vais le faire après. Nous avons la fatalité, ok, la femme, et deux cartes, la famille et la clairvoyance. Ok. Déjà dans un premier temps, même s'il y a la carte de la fatalité, et je ne vais pas le prendre comme nécessairement quelque chose de très négatif ou quelque chose qui va être compliqué, moi je dirais plutôt que déjà Edin. L'amour est on va dire, dans votre journée, hein, on va le dire comme ça. Donc, ça veut dire plutôt des bonnes nouvelles, plutôt des choses assez sympathiques, on va dire majoritairement parlant. Au niveau de la fatalité, possibilité peut-être d'un retour pas très positif, par exemple, de la part de votre famille, de la fameuse soirée du réveillon. Donc ça peut être plutôt le côté un petit peu de dire des choses dans le dos, de ne pas les dire pour de vrai ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose effectivement que vous allez ressentir, hein, par exemple, puisque avec la clairvoyance, j'aurais tendance à dire que c'est plus le ressenti, en plus on a l'énergie de la femme. Donc voilà, j'ai vraiment la sensation que peut-être une des personnes que vous auriez pu inviter lors de votre réveillon ou lors du repas de Noël, cela ne s'est pas passé comme vous souhaiteriez, ou aujourd'hui vient peut-être vous dire certaines choses qui ne sont pas nécessairement de bon augure ou très sympathiques. Bon, dans tous les cas, on vous voit quand même garder le cap et c'est le principal. Là, bah écoutez, la carte de l'amour, peut-être que vous avez un invité ou une invitée, on va dire, étrangère. Peut-être quelqu'un de lointain, qui ne fait pas peut-être partie nécessairement de la famille, mais que l'on considère comme. Bah peut-être que cette personne. Tiens, il y a Merlin qui s'invite. Peut-être que cette personne, effectivement, vous l'avez, je dirais, vue. Il y a peut-être eu un petit coup de cœur. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que. En tous les cas, on ressent qu'il y a quand même la notion d'argent qui reste très positive, puisqu'effectivement, le mot gain me vient, mais également peut-être un voyage à l'étranger. Peut-être que ça fait partie des cadeaux que vous avez eus, pourquoi pas de la part de votre amoureux. En tous les cas, je dirais que avec l'argent, l'étranger, l'amour et l'intuition de la femme, on va dire que déjà ça reste quand même de très bonnes nouvelles pour cette journée. Le seul petit bémol viendrait peut-être de la famille, où effectivement vous pourriez avoir un retour mitigé, mais ça ne va pas gâter le côté bonne nouvelle.
Alors, illusion et réalité. Alors, c'est marrant parce que c'est ce que j'aurais. La réalité, c'est que vous avez quelque chose de formidable. L'illusion, c'est en fait d'avoir des gens qui ne sont pas vrais avec vous. Ils auraient pu dire, bah voilà, moi j'aime pas les huîtres ou voilà, au lieu de critiquer derrière, bah, c'est que ça résume bien. En tous les cas, dans la réalité, tout se passe merveilleusement bien dans cette journée. Et le côté illusion, bah écoutez, vous saurez qui reconnaître des bonnes personnes ou pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain matin. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.